Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur du Raft, donc pour une toute nouvelle mise à jour, donc la version 1.05. Dans cette mise à jour, déjà comme vous pouvez le voir, il y a une énorme refonte graphique. Avec, ils ont rajouté le cycle jour et nuit. Il y a aussi de nouveaux items. Donc là, déjà, rien qu'au niveau des graphiques, vous pouvez voir là la qualité de l'eau qui est juste magnifique. Et normalement, il y a aussi, en plus des nouveaux objets, il y a une nouvelle plante, je crois, de ce que j'ai compris. Donc là, regardez là comment c'est 100 fois plus joli. C'est parce qu'avant c'était super clair. Regardez là les rum beets, donc c'est des normalement c'est des betteraves si j'ai bien compris. Regardez là aussi là le fer qui est plus joli, la touch qui est vraiment magnifique. Donc là ils ont vraiment fait un énorme taf. Est-ce que ça change ou pas? Ouais non, c'est toujours la même chose. Bon bah après il y a aussi, ils ont rajouté des sons d'ambiance. Donc au final ça c'est plutôt pas mal. Bah tiens putain, j'ai même plus de place. Ouais les betteraves. Donc pour les betteraves, attends, on va commencer. Alors là il me faut. Alors ça. On va planter les betteraves. Donc on va tourner. C'est bien ici qu'on plante les betteraves. On va en mettre deux. On va manger un petit peu. Mais du coup, enfin là vraiment ce qui manque, c'est la partie COP. En coopération à plusieurs, c'est dommage qu'il n'y a pas encore, mais bon, dans tous les cas, ça va venir avec le temps. Donc ça, c'est des clous. Donc comme je disais dans les précédentes vidéos, ce qui manquait, c'était en plus, c'était le fer. Il servait strictement à rien. Bon, il servait pour les coffres, mais bon, à part ça, c'était pas très 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 utile. Et du coup, là, on a un nouveau craft. Donc, on peut crafter ça, les nails. Donc, c'est des clous. On a des chaises, des lampes. Parce que du coup, il y a le cycle jour et nuit. Et des tables. Enfin, une table. Donc, après, je sais pas si on peut looter de nouveaux items ou pas. Donc, du coup, on verra ça dans cet épisode. Donc là, on va continuer sur notre petite base. Du coup là c'est bien parce que ce qui manquait un petit peu c'était les graphiques. Et là niveau graphique là c'est vraiment super beau. Donc après on verra de nuit ce que ça peut donner. Mais bon pour le moment c'est franchement c'est que du kiff. Moi j'aime bien. Enfin en fait ça donne plus envie d'y jouer que avant. Putain là j'ai vraiment plus de place. Tiens ça on va mettre ça là. Voilà. Attends donc là qu'est-ce qu'on peut faire? Ah les clous. Voilà les clous, tac. Et pour les clous, une chaise. Putain j'ai vraiment plus de place quoi. Attends tiens que ça on va le boire. Voilà. Hop. Donc la chaise où on peut la mettre. Tiens, on va la tourner, on va la mettre juste ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Rien du tout. Bon, je pense que ça va venir, on pourra s'asseoir. Donc ça, la table, on va la tourner, et on va la mettre comment? Attends, voilà, comme ça. Oh, stylé. Et ici, on peut poser des choses dessus ou pas? Ouais, bon, ça aussi, ça va venir avec le temps. Donc ça, harvest, ça je peux le cuire ou pas, cook? Ouais. Tac, putain, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est tellement stylé. Même là, le fer, il a changé, quoi. Parce qu'au final, c'était juste des petites plaques toutes moches. Voilà, donc là, on va continuer à couper les cocotiers. Ah oui, donc là on va remettre, enfin on va construire ça parce qu'il nous en manque. On va manger notre dernier coco parce qu'on a vraiment plus de place.
Donc, ce qu'il nous faut, voilà, ça c'est la lampe. Donc, la lampe, on peut la mettre. Est-ce qu'on peut la mettre ici? Non. On va la mettre juste ici. Voilà. Donc, on va continuer avec notre cocotier. Donc, voilà. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de craft. Bon, au final, il n'y en a que 4. 4. Et donc, bah, les deux, pour le moment, les deux là, ils sont inutiles. Mais bon, je pense que ça viendra dans les prochaines vidéos. Ou sinon, il y a une utilité que j'ai pas encore découvert. Mais bon, pour le moment, là, on va continuer notre petite base. Ah oui, donc là, tout ce qui est de la rope. Oh shit, shit, non, 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 putain. Ouf. Attends, ça, on va mettre dans le même sens. Putain, là, j'ai perdu énormément de touch. Ah merde, c'était pas comme ça que je voulais le faire. Bon, c'est pas 1, 2, 3. Tac, ici j'ai planté ou pas? Oui. Ouais, bah maintenant il y a même les ombres. Je crois qu'il n'y en avait pas avant. Ah putain, merde, le requin. Ah putain, même le requin il est devenu joli. Le bruitage aussi il a changé quand on l'attaque. Ah ouais, putain, stylé. Il y a même les reflets sur l'eau. Vraiment, mais stylé de ouf. Plutôt pas mal. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas y joué. Parce qu'arrivé à un moment, bah, il n'y avait plus rien à faire. Donc là, ouais, bah, la mise à jour, elle arrivait, bah, ouais, enfin, elle arrivait, bah, il n'y a pas longtemps, ouais, bah, il y a quelques heures. Il y a quelques heures, bon, à l'heure où je filme. Donc là, on va continuer à récolter. Là, ce qu'on peut faire, c'est on va manger ça, on va récolter tout ça. Voilà, donc là, la nuit, elle commence à tomber. Putain, bon, mangeons les noix de coco. Allez, on va tout manger. Putain, là, il y a vraiment plus de place. Je pense que je vais faire un deuxième coffre. Pour les coffres, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc là, le coffre, il est où? Il est ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre tout, allez, tout ça. Putain, les zoos. Toi, le filet, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Notre coco non plus. Voilà, donc, on fait de la place. Putain, oh là là, ce coucher de soleil. Franchement, c'est juste tellement beau. Putain, ça fait. Ah franchement ça fait lourd. Hein. Là c'est l'heure de la petite miniature. Tac. Voilà. Donc là j'espère que ça éclaire plutôt bien. Tiens, on va manger. Voilà. On va boire. Parce que quand même, faut pas qu'il crève de soif. Coupons le cocotier. Allez, tac. Donc là, ouais, le fait de rajouter des chaises, ça rajoute, ouais, bon, un petit côté roleplay. Même s'il faudrait pas trop rajouter de choses. Attends, je vais me décaler de l'eau parce que. Putain, ça fait vraiment beau. Là, ce qu'il me faut, c'est ça. On va mettre une deuxième lampe torche. Enfin, ouais, on va appeler ça, ouais, c'est des lampes torches, ça. On va mettre ça où, tiens, juste ici. Ouais, au final, ça éclaire plutôt bien. Voilà, là. Mais c'est magnifique, tiens. Deuxième miniature. Comme ça, on va montrer le jour et le nuit. Et la nuit, plutôt. Ici, voilà, donc ça. On continue à couper. Moi, après, au final, on fait toujours la même chose. C'est juste que là, bah, ça apporte un énorme changement, bah, surtout niveau graphique. Après, niveau gameplay, ça reste toujours pareil. C'est récolter, couper les arbres et construire. Après, c'est le but aussi du jeu, mais bon. Allez, récolte-moi les noix de coco. Même les noix de coco, je pense que là, je dois trop en avoir. Voilà. Allez, allez. Plus vite.
par contre là je récolte que du bois. J'ai l'impression que là les cocotiers ils sont plus ils prennent moins de temps à pousser. Je sais pas si c'est une impression ou autre. Après du coup là dans la mise à jour 1.5 je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je crois qu'ils ont corrigé quelques petits bugs. Mais j'ai regardé vite fait la note du patch. Mais bon, j'ai surtout vu qu'il y avait un énorme changement au niveau des graphiques. Ah, il y a un non. C'est quoi ça? C'est quoi? Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ici, on est bon. Là, ce qu'on peut faire. Ah oui, là, on va faire la touch. La robe plutôt. Voilà. Donc là, full robe. On va récolter tout ce qui est ici. Planque. Putain, je pensais que j'avais eu des nouveaux loots. Putain, il n'y a pas beaucoup d'items qui viennent vers la gauche. Hein. Là, j'ai bien envie de construire ça. Attends, tac-tac. Je vide de ça. Et ça le mettre par ici. Ah bon là je me répète mais l'eau elle est vraiment jolie. Ouais. Ah oui putain, juste derrière moi quoi, sans respect. Ah là là. Voilà. Allez, on va continuer à élargir notre base. Donc là, 1, 2, 3. Donc ici, on va agrandir ça comme ça. Donc là. On est good. Peut-être mettre une lampe torche par ici. Ça serait plutôt pas mal au final. Attends, j'ai construit. J'ai augmenté ça jusqu'à ouais, jusqu'à là. Je crois. 1, 2. Ah, attends, parce que là, je suis perdu. Ah, ok. Donc là, tac. Là, on a fait ça. On a agrandi ça comme ça. Voilà. Et ici, il faut qu'on ferme un petit peu. Ouais, bon, là, ça va, la nuit, elle est pas trop longue. Au final, c'est raisonnable. Voilà. Normalement, comme ça, c'est bon. Donc là, on a agrandi de 1 ici. Nickel. Donc maintenant, on continue comme ça. Ah, putain, il faut d'attache maintenant. Enfin, maintenant. Comme toujours. Voilà. Bon là, la base, elle commence à prendre de la masse. Il n'y a plus qu'à attendre et continuer tout ça. Putain, là, le requin, ça va. On va construire de la rope. Voilà. Je pense mettre un petit peu plus de lanterne. Par exemple, on va mettre une là et une juste ici. Ouais, bon, ça, là, tu me sers toujours à rien. On va boire, puis on va manger le requin, enfin la viande de requin. Voilà. Les noix de coco aussi, parce qu'il y en a énormément. Tac-tac. Voilà, putain. Encore une fois, voilà, le jeu il est vraiment très beau maintenant. Ça change d'avant. Ouais, donc si ouais, au final, j'ai l'impression que ouais, les cocotiers ils poussent plus vite. Hein. Enfin, je sais pas si c'est qu'une impression parce que ça fait longtemps que j'y ai pas y joué. Voilà. Putain, ouais, là c'est dommage que c'est pas du bon sens, mais bon. Au pire, tant pis. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, là c'était un petit épisode, bah, surtout pour présenter la mise à jour 1.5. Donc, j'espère que le jeu vous plaît encore plus. En tout cas, moi, bah, là le jeu il me donne encore plus envie d'y jouer et à y faire encore plus de vidéos dessus. Bah surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour voir quel défi vous voulez que je fasse. Et si vous aimez la vidéo et les jeux que je présente, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous quitte. On se dit à la prochaine.